Je te tiens. Ton maître est mort avant d'avoir proféré son dernier vœu. Je ne peux pas te capturer. Soit nous luttons pendant une éternité, soit je te relâche. À condition que tu fasses une chose pour moi. Peux-tu voir le sort qui nous lie? Seul un djinn peut lever le sort d'un autre djinn. Lève celui-ci et tu es libre. L'orage est terminé. Oui. Tout est fini. S'assied. Tu as l'air épuisé. Pas du tout. Mais asseyons-nous. Tu te sens mieux? Je te l'ai dit. Tout va bien. Inutile de jouer les coriaces. Ce fut un combat difficile. Peut-être pas autant que face à notre premier djinn, mais quand même. Sans commune mesure. La moitié de Rhind en avait pâti. Aujourd'hui, je suis juste un peu lasse. Merci d'être venu, Geralt. Seul, j'aurais passé un sale quart d'heure. Parfois, je n'ai jamais su te dire non. Peut-être. Peut-être que cela va changer désormais. Et alors, ressens-tu un changement? Je m'attendais... J'ignore à quoi je m'attendais, en fait. À un peu de vertige, peut-être. J'ai cru que tu allais me devenir étranger. Que je pourrais te regarder sans rien ressentir. Mais ce n'est pas ça du tout. Rien n'a changé. Le djinn nous a peut-être roulés. Pourquoi? Parce que pour moi non plus, rien n'a changé. Je t'aime, Yen. Moi aussi, je t'aime. Hey, qu'est-ce qui te prend? Eh, tout n'est pas que douceur et cajolerie. Étrange. Je devrais être blasé, mais... c'était comme notre premier baiser. Ça l'était, en un sens. Et puis, après un « je t'aime », les baisers n'ont pas la même saveur. Nous devrions peut-être prolonger l'expérience. La cabine d'Amos paraît confortable. Pas si vite, Geralt. Nous aurons tout le temps pour les cabines confortables. Mais je pense que ce ne sera pas la fin du monde si nous nous posons un peu. Oh, Dieu, comme c'est beau. Les esprits de Skellige nous sourient.